Sha'alam. Je dirais, prends un congé aujourd'hui. Vous souvenez-vous? La dernière fois, quand j'ai pris un jour de congé? Oui. Le jour de notre mariage. Et le jour de la réception, tu es allé travailler? Oui. Qu'en est-il du cas de Daoud? Celui-là. Il considère qu'il le fera. Il va me faire peur. C'est un fou. Il ne sait pas qu'il fait une perte pour lui-même. Tara. Soudain, depuis la nuit dernière, je me souviens beaucoup de mon frère. Ce n'est pas soudain. Nous en avons discuté hier, que cette maison lui appartient. En fait, si. S'il a droit sur tout toi, tu devrais aussi avoir droit à tout sur lui. Tara. Ne peux-tu pas pardonner à mon frère? S'il voulait bien m'excuser alors, peut-être que je lui pardonnerais. Hier soir, je me souvenais continuellement de lui. Je ne sais pas s'il m'a pardonné ou pas. Je me suis aussi mis en colère contre toi, mais aussi sympathisé. Tu as toute la vie devant toi. Pourquoi le gaspilles-tu avec une personne qui ne se soucie même pas de toi? Tout le monde n'est pas comme ta sœur. Une fois la relation construite, alors seule la vie se termine, pas la relation. Relation. Qui a construit votre relation avec ta biche? Moi-même. Farah, tu sais aussi que tout ça est nul. Ta biche n'aime Kaïsa. Il ne la quittera jamais. Je sympathise avec toi. Tu as toute la vie devant toi. Va faire quelque chose de la vie, en faire quelque chose. Comment dois-je faire ma vie? Quand j'ai vu tous les rêves de ma vie. Seulement avec ta biche. Pourquoi tu l'as vu? Quelqu'un m'a fait rêver de ça. Qui a fait ça? Si je te dis que tout sera détruit. Farah, tu sais aussi, il n'y a rien de tel. Le jour où je le dirai, tu le verras par toi-même. Il se pourrait que ce jour soit aujourd'hui. Hier soir, j'étais empêtrée dans mes pensées. Le changement de comportement de la mère. Oui. Je ne crois pas que tout cela soit arrivé. Elle est comme ça depuis le début. Tout d'un coup, elle commence à se sentir bien pour quelqu'un. Et parfois dommage qu'elle considère cette personne comme la pire. Tabish, j'ai demandé à maman mais... J'aimerais qu'il n'y ait rien de mal. Que veux-tu dire? J'ai peur que... Entre toi et ma mère, s'il y avait un dialogue strict. Pourquoi réfléchis-tu autant? Rien de tel n'arrivera. Je sais que maman, elle ne fera pas ça. Se détendre. Ok. Maintenant, je vais partir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Où est mon portable ?